Madame la Présidente, mes chers collègues, je tiens à vous dire que c'est avec une immense fierté que je voterai ce budget aujourd'hui avec la majorité régionale. Ce budget, nous le voterons dans un contexte difficile, un contexte d'urgence climatique, un contexte qui nous impose de changer de modèle de développement et de rétablir avec la nature des rapports plus vertueux. Cela a déjà été dit, il faut le rappeler toutefois. Est-il en effet besoin de rappeler aussi que depuis quelques années, l'Occitanie connaît régulièrement des épisodes climatiques extrêmes qui fragilisent les sols, les forêts, l'agriculture, la vie. Chaque année, des inondations, des incendies causent de graves et importants dommages, parfois irréversibles, aux biens, aux personnes, à la nature. En 2022, ce seront 6 millions d'euros qui seront affectés à la prévention et à la gestion des risques. 2 millions d'euros pour l'éducation à l'environnement et au climat. 10 millions d'euros pour la biodiversité et le patrimoine naturel. On le voit, il y a dans ce budget la volonté de mettre en place des mesures concrètes pour protéger les habitants d'Occitanie et la nature. La nature, c'est elle notre meilleur allié pour atténuer les effets dévastateurs du changement climatique. La nature en Occitanie, c'est entre autres 2,6 millions d'hectares de forêts qui occupent 36% du territoire régional avec une grande diversité d'essences et de paysages. En 2021, 221 330 arbres ont été plantés en Occitanie. En 2022, le budget permettra de poursuivre cet effort. Parce que la forêt, l'arbre, ce sont des auxiliaires majeurs dans la lutte contre le dérèglement climatique. La forêt, l'arbre, il nous aide à séquestrer le gaz carbonique, il nous aide au niveau du cycle de l'eau, de la qualité des sols, de la préservation de la biodiversité, du maintien d'une agriculture durable. La forêt, c'est aussi de l'emploi, des loisirs, de l'attractivité, du tourisme, de l'économie. C'est du bien-être, de la santé et tout simplement un avenir pour notre espèce. Aussi, il nous faut continuer de planter, de respecter, de faire reconnaître et de préserver. Préserver, c'est notamment agir sur le risque incendie. Le feu de forêt est un événement violent, destructeur, qui impacte fortement et durablement les milieux naturels, la biodiversité, les paysages. Avec le réchauffement du climat, c'est tout le territoire d'Occitanie qui est exposé à ce risque. Aussi, en 2021, la région Occitanie a affecté près d'un million d'euros à des appels à projets concernant la défense des forêts contre l'incendie. Le budget 2022 permet de poursuivre ce nécessaire chantier. Ce budget permettra aussi de poursuivre des actions de sensibilisation, d'éducation, d'information sur les risques majeurs. Il engage ainsi des moyens importants au niveau du développement, du maillage, au niveau de la distribution de l'eau brute. Cet investissement pour l'irrigation permettra aussi à terme d'offrir une alternative très attendue à l'utilisation de l'eau potable pour une lutte contre les feux de végétaux. Ce budget, il permettra aussi de poursuivre les actions de sensibilisation et d'information sur le risque incendie et sur tous les risques majeurs. Ce budget d'aujourd'hui, il est porteur de solutions et d'avenir pour la nature, le climat et les habitants de l'Occitanie. Et pour conclure, je reprendrai les mots de notre présidente. Ce budget, il permet sur ce sujet, comme sur tous les autres, d'agir aujourd'hui pour ne pas subir demain. Je vous remercie.